Et YouTube, découverte d'un jeu que j'ai reçu il y a pas mal de temps déjà, c'est Mist of Nouya, qui est un jeu solo. On peut y jouer en coopération aussi. Bon, là actuellement, je vais jouer solo. C'est un roguelike qui a l'air d'être assez difficile, hack and slash, RPG, et graphisme, comme vous pouvez le constater, pixel. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement. Create. Alors, normalement, j'avais mis en French. Ah bah non, il l'a pas pris. Voilà, parce que bon, tant qu'à faire. Voilà, je préfère. Alors, élevé dans des temps violents et impitoyables, mais ne perdant jamais son esprit aventureux, le Lance utilise son agilité et son intelligence pour maîtriser le combat à longue distance. Ok. Allure. Dernier survivant des Solan Warriors, Allure combine sa vitesse avec un style agressif de combat au cœur à cœur. Bah donc lui, c'est magie, attaque, très peu de défense. Là, on a moins de magie, plus de défense et full attaque. Ensuite, la longévité de la race elfique a permis à Nin d'apprendre les anciens sorts de son peuple avec maîtrise, invoquant des êtres élémentaires et manipulant des raz-de-marée écrasants. Bon là, full magie, plus de défense et moins d'attaque. Alors c'est pas de l'attaque, c'est plus... je pense c'est plus de combat au cac, en fait. Je pense que ça va être ça. Vétéran de la guerre, intrépide et fier, Rhys utilise son expérience pour diriger l'avant-garde avec ses attaques lourdes et sa résilience inégalée. Alors lui, il est full défense. Et moyen en termes de mêlée et de magie. Et pour finir, un dueliste vicieux qui a parcouru les terres de Nouya pendant des siècles. Vilat n'est pas seulement un épéiste habile, mais maîtrise également la magie du sang obscur et dangereuse. Alors je vais prendre lui parce qu'il est en rouge, avec les cheveux rouges forcément, et puis surtout que c'est polyvalent. Je pense que c'est le plus intéressant à jouer. Pour start en tout cas. Allez, bim. Créer un monde. Alors, le monde, ça va être 1. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je joue à la manette. Parce que ce genre de jeu-là, c'est plus agréable à la manette, je dirais. Je pense qu'on rend une cinématique. Ah non, direct, ok. Ok. Ok, on a les dash. Pour le moment, je peux rien faire. Ok, on a les potions en bas. Là, c'est la map. Ok, inventaire, création, quête, familier, talent. Donc là, j'ai 3 points. Donc je présume que j'ai pas le choix. Oui, c'est sûr. Ok. Donc je vais mettre un point là-dedans. Il faut combien de points? Il en faut juste 2, je pense, non? Ok, un point de talent. Bon. Votre troisième attaque de base applique Blood Plague à la cible, infligeant 144 points de dégâts, 50 puissance et c'était léger. Ok. Ok, donc j'ai un double saut. Il est joli le jeu, par contre, j'aime bien. Voilà, ça dégage. Ramasser 25 de bois. Ah ouais, donc c'est vraiment RPG dans le délire où il faut looter quand même. Ok. Création. C'est pour ça qu'il va me demander du bois, je pense, entre autres. Oui, il se passe quoi? Ah oui, d'accord, quand je suis dans le menu, ça met pas pause. D'accord. Ah oui, donc faut que je fasse vraiment gaffe. On peut climb? On peut rester sur le mur, ok. Pas mal ça. Il me faut une hache. Ah mais non, mais je l'ai en fait. Ok, c'est Y. Alors c'est dommage, c'est parce qu'on n'a pas du tout de tuto dès le début. C'est un peu étonnant quand même.
Du coup, là, je peux le faire aussi. Ok. Donc, on peut juste rester appuyé sur la touche, ça va plus vite. Ok. Alors, par contre, comment je fais? Ah, là, je peux y accéder. Ok. Donc, ça, c'est quoi ce précipice vers l'avant, infligeant les dégâts? Je vais prendre ça. Je vais prendre les chauves-souris, ça a l'air d'être pas mal. Donc du coup, j'ai la première attaque. Ok, avec un cooldown. Ok, donc faut que je prenne le réflexe de rester appuyé sur le Y pour looter. En coop, ça doit être sympa. Ok, donc je peux... C'est pas escalader, mais limite. Il se passe quoi si je vais dans l'eau? Ok, j'ai un cœur en plus. Enfin, j'ai plus de vie plutôt, tout court. Alors, je sais pas si j'ai pris le bon chemin. Allez. Voyons voir cette attaque. Ah oui! Ah oui, la charge, elle est pas mal. Hein. Aïe. Point d'avantage, récompense de quête, ok. Je vais faire ça tout de suite. Inventaire, quête, ça va être là. Collecte. Donc, collecte armure de bois, bandana, épée et bouclier. Donc, je présume qu'il faut que j'aille dans création, armure, bandana, épée. Je peux quitter, je pense. Je peux quitter, ok. Ok, et bouclier il me faut. Sauf que le bouclier... Il faut que je me les équipe du coup. Du coup, je comprends pas, c'est juste ça me redonne de la vie, c'est tout, en fait. Si je mange une petite pomme, ça me donne quoi? Ok, ça me heal en passif. Enfin, passif, en progressif plutôt. Ok. Et le bouclier, par contre, comment je le fais, le bouclier? Tout est verrouillé, là je peux pas. Ok. On peut récupérer des pommes comme ça aussi, trop bien. Bon, je vais continuer de looter parce que de toute façon, j'ai l'impression que je peux pas faire autrement. Ça me fait monter mon XP en plus. Je vais monter. Je sais pas où je me trouve d'ailleurs. Tiens, il y a une plante à droite. Fleur du jour, ok. Oh, un coffre. Bague nature, trop bien.
Ça m'augmente ma vie, mon mana et vitesse d'attaque. Ok. Mais alors du coup... Le bouclier... Ah, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ok. Il sort de nulle part, lui. Talent... J'ai pas des choses particulières à faire. Parce que collecte... Bouclier en bois... Tout ça c'est verrouiller le reste. Projet de maison minière cryo. Et comment je sais que j'ai cette monnaie là, moi? Je comprends pas tout. Ça, je peux pas. C'est pour vendre, mais pour créer, je fais comment? Ouais, c'est étonnant quand même. C'est bizarre. Je comprends vraiment pas. On peut avoir des familiers, trop bien. Je comprends vraiment, vraiment, vraiment pas le bouclier. Comment je peux en avoir un, en fait? Bon, peut-être que c'est pas maintenant. Oh, j'étais pas prêt pour ça. Oh, le traquenard. Oh, le giga traquenard, par contre. Hein. Je me suis dit, je vais descendre là, on verra bien ce qu'il y a. Bah ouais. Je m'y attendais pas du tout. Donc là, on est encore au jour 1. Il reste... Enfin, il reste rien du tout. 15h40. J'ouvre le coffre, ça va spawn derrière moi. Ah non? Ok. C'est bien, ça fait monter l'XP, ça. Pour le moment, c'est safe, mais à mon avis, ça va être complicado. J'ai l'impression que je suis allé peut-être trop loin. Attends, j'ai pas le temps de jouer avec toi là, je vais juste vérifier un truc. Cette histoire de bouclier, je comprends vraiment pas comment je l'ai pas. Tissu. Y'a des pics en dessous? Non. Bon là je peux descendre mais ça sert à rien. Ah! D'accord, armure légère. Ouais, ok, donc ça c'est des armures. Est-ce que là je peux faire le bouclier? Ah! Ok, donc j'ai bien fait d'avancer. Parce que c'était tout simplement comme ça qu'il fallait faire. Voilà, et bien... Oh, attends, je bouge. Niveau 5, j'ai pas le niveau encore. Talent, ok. Donc là, faut dépenser 10 points au total, je pense. Là, non, 23,5% des dégâts infligés toutes les 3 secondes pendant 9 secondes. Ok, et ça... Je vais prendre l'histoire des chauves-souris. Il
Ah oui, ça coûte 2, ok. Donc je prends ça en plus, et puis voilà. Et la quête, bim! Extraction de fer. Ah si, ça compte quand même avant. Ça a compté ce que j'ai fait, mais le pas, ça n'a pas compté les slimes. Dommage. Non, ils ont fait vraiment un système de pêche. Ils sont sérieux, là? Une truite crue. Il en faut 10, je crois, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, il en faut 10. Ça va assez vite quand même. Je vais vérifier, mais je pense que c'est cumulable. Hein. Ouais, c'est cumulable, l'XP. Pas besoin que je mette les points de talent. Ça se fait tout seul. Enfin, je veux dire, ça se fait tout seul. Ça me les met de côté, en fait. Allez, petit poisson. Les petits poissons. Allez, la dernière truite. Voilà, ça c'est beau. Allez, par contre, là... ça va prendre du temps, faire les quêtes. Collecte viande crue. What? Trop de trucs là. Trop de choses à faire. Donc ça maintenant je peux équiper. Pourquoi il est en épique? Épée de boîte dueliste épique. 28 de vie. Ah non, c'est plus rentable de prendre ça. Hein. Ah quoique. Ah bah non. C'est clairement mieux ça en fait. Ok. Ok, d'accord, bon. Là, y'a rien à faire. Je vais reprendre un peu de bois quand même. S'ils ont mis autant d'arbres ici, c'est pour nous faire perdre du temps et à la fois pour profiter de looter. Hello, c'est quoi ce slime là, bizarre? Ah, c'est les corrupted slime. Ah non, même pas. Ah, c'est les spores. Ok, bon. Ah, change de tableau. Et là, maintenant, je suis où? Village, toujours. Ah, je suis toujours au village. Ah, waouh. Ok, oui. Ah oui, donc en fait, je me promenais là au début. Ok, flemme de tout ça. Bon, ce que je veux, c'est me battre. Oh! Donjon. Mais j'ai pas le niveau, là. Vous savez quoi? Je vais tester quand même. Mais j'ai pas le niveau, moi. Ah ouais, non, mais le jeu, il est complet de fou quand même. Je m'attendais pas du tout à ça. Ok, j'ai le temps de le vendre. Ah oui, non, j'ai clairement pas le niveau en fait. J'ai clairement pas le niveau. Bordel, dans quoi je me suis foutu. Bon, ça peut peut-être passer. J'ai pas ton temps. Ah, je peux pas me soigner quand je suis dans l'eau.
Ah merde, j'avais peut-être le cooldown, bordel. Oula. J'apparais où là? Ah, genre tu vas me dire je suis chez moi là? Je pense que c'est le cas. Ok. Et du coup là j'ai quoi ici? Vendeur graines d'orge, café, ouais. What? Ok. Ouais, tu peux vraiment te faire plaisir. Hein. Charbon. Alors attends, parce que... Voilà, c'est ça que je voulais. Et je présume que tu peux partir et ça se fait tout seul. Pour le consommable. Ok. Oh, y a tellement de choses. Épices, bananes. Je peux pas rentrer. Lui, c'est les potions. Là, je pourrais rien faire. Ok. Ah merde. Oh, tu vas pas me dire que j'ai oublié, genre faut que je mette du charbon dedans. Et pourquoi ça fonctionne pas? Ah, ok, waouh. Peut-être que je reste à côté, non? Peut-être que je me suis un peu trop éloigné. Et donc du coup, là c'est de l'or qu'il faut, j'ai pas tout ça. Pourquoi ça l'a pas activé, bordel? Trop bizarre ça par contre. Je vais rester dessus parce que il a pas kiffé, j'ai l'impression. C'est étonnant d'ailleurs. Tu puisses pas lancer les crafts et te barrer. Petit peu chiant. Et là, je suis en train de me dire qu'en fait... Deux, ok. Je peux pas les récupérer. Elles sont déjà finies. Je comprends rien. Bon. Je comprends vraiment rien, mais ok, d'accord. Bon. Créer. Alors du coup, ça me donne quoi là en stats? J'ai fait quoi? Ah putain, j'ai eu peur. Non, ça reste le plus intéressant. Par contre, celle-ci... Je peux lui vendre, peut-être. Je sais pas si c'est rentable de le vendre comme ça, mais bon. Et le charbon, le charbon. Si je lui mets 20 comme ça... Oui, il est fait en boucle, quoi.
Ok. Mais ça, j'achèterais bien, mais je sais pas ce que c'est. Pris un portail vers le village. Prologue partie 1. Je pense que c'est les. C'est l'aventure et le reste, c'est ce qu'ils appellent dans les tags Steam, en tout cas, c'était le cas. Je pense que la map qu'on avait, sur laquelle j'étais avant, c'était le pseudo open world. Et là, on a, on va dire, l'histoire du jeu, je pense. Je pense que c'est ça, je sais pas. Ok, donc le jour change à partir de 5 h du mat. Bon à savoir. Donc, ça c'est bon, collègue Barfer. Ça coûte grave cher, mais est-ce que j'achèterais pas ça quand même, une de ces trucs-là? Pas d'argent. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, mais je vois le délire. Bon, je vois pas. Ok, donc là, normalement, c'est chez moi ici, hein. Ah, ça se trouve, il y a un délire de Tower Defense. À mon avis, c'est ça. Ok, bon. Je sais pas trop. Aïe. Choper de l'émeraude. Ça pète. Y'a là le slime. Je vais te buter. Oh. Pardon, une BR2. Heureusement que j'ai le mode sensu dessus là. J'aime bien le mode sensu. C'est le terme, hein, mais bon. Enfin, je pense que c'est le terme. J'aspire la vie des ennemis pour me l'ajouter à moi-même. Et ça, c'est super cool. Faudrait que j'y joue en coop à ce jeu-là. Ça peut être cool. Oh, du topaz, s'il vous plaît. J'adore le topaz. J'adore quand ça brille. J'adore quand c'est caillou. J'adore quand c'est dur. J'adore. J'adore, c'est de toute beauté. Y'a plus rien là. Ok, on aurait dit un genre de tuto qui expliquait qu'il fallait faire ça, mais c'est bizarre de l'avoir maintenant. Il est sympa le jeu, c'est sûr qu'à plusieurs ça devrait être plus cool. Je sais pas jusqu'à combien on peut jouer, j'ai pas vu par contre. Ça m'étonnerait qu'on puisse jouer jusqu'à 5. Sinon, ça serait trop cheaté. Au
Autant que je continue avant de récupérer les récompenses. C'est pour montrer le chemin, mais ouais... Aïe! Je me suis fait encore U. C'est bizarre. C'est vraiment bizarrement bizarre, je trouve. Par contre, chasseur débutant, je vois pas. Hein. J'ai pas encore eu la possibilité de tomber sur des bêtes à abattre, comme indiqué à droite. Alors oui, je vous ai pas dit au passage, hein, pour ceux que ça peut intéresser, mais le jeu, il est disponible, là j'y joue sur Steam, et il coûte 17€, enfin 16,79€ pour être exact. Je pense que pour ce prix-là, vous avez de quoi vous amuser pendant longtemps, et qui plus est, à plusieurs. Je pense qu'il y a le Remote Play Together, le RPT Mode, je vais vous dire ça tout de suite, coopération en ligne... Ah non, il n'y a pas le RPT, ok, autant pour moi. Donc ouais, faut que, si vous voulez jouer avec quelqu'un, il faut forcément qu'il ait le jeu lui aussi. Ce qui est, je pense, pas complètement illogique. Parce que en RPT, ça devrait être compliqué. Ils arrivent au compte-goutte là. Venez tous d'un coup, je vous fume d'un coup, ça serait cool. Pouvoir monter jusqu'ici. Oh! Ah, j'ai pas vu, je pouvais me baisser aussi. Je colle un peu de bruit. Après, je vais quand même récupérer la récompense. Ça se trouve, ça me donne quelque chose pour la prochaine. Ah non, ok. C'est de l'XP et de la thune. Et de la thune. Avant d'aller à droite, je vais voir ce qu'il y a là. C'est plaisir, ça. Bijoux ? Faut un villageois. Ok, t'es qui ? Oh, t'es qui toi ? Et je pense que les villageois, tu les fous à ton village et du coup ils bossent pour toi. Ça doit être un délire pareil, je pense. Si c'est ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment fouiller partout. Hein. Oh, il y avait un truc là-haut. C'est ça un Borunak. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Je vais juste essayer d'aller full à droite là. Ça m'intrigue. Je pense que je peux y arriver. Si je fais... Alors venir ici, pourquoi exactement? Pour rien à mon avis. Non, pour rien, ok. Bizarre.
Hey, Urtel, on... ah, 12 points, waouh. Qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il faut que je fasse 10 points ici pour accéder au prochain. À mon avis, ça va être ça. Non, même pas. Putain, mais ils m'ont surpris, je suis en plein dans le menu, bordel, foutez-moi la paix. Là, je comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Ah non, c'est au niveau 10 que je le déverrouille. Point d'avantage. Ah, mais j'avais ça, bah oui, ok. 8 points disponibles. Ah mais oui, mais ça, je l'ai toujours pas utilisé depuis tout à l'heure. Mana, puissance d'attaque, puissance des sorts. Augmente l'armure, augmente l'armure. Je peux l'avoir plusieurs fois. Ah oui, je peux l'avoir plusieurs fois, ok. Donc ça reste un point quoi qu'il arrive, ok. Ok. Allô ? En fait, c'est bien, t'as juste à rester ici, AFK, t'attends, ils vont tous se foutre dans l'eau à côté. Ouais, je peux pas. Ça, c'est pour le mana. Ok. Merde. Je m'en suis trompé. Il est où le buff, là? Oh, je vais me saouler, les frères Mickey, là. Voilà, dégage. Bon, gavé, par contre. Petite pomme. Petite pomminette. Alors peut-être que c'est pas intelligent que je me serve de ma bouffe comme ça directement, mais c'est pas grave. Par contre, des corrupted slime, j'en ai pas encore vu. Hein. Ah, les mages y font mal, hein. Waouh. Et donc là, je me trouve où? Je suis à F2, ok. Hello! Ok, il y avait un zombie niveau 15. C'est quoi cette zone là? Allez. Ok. Peut-être que quand c'est la nuit, il se transforme, mais c'est bizarre. Ah ouais, ouais, ils sont tous là. Hein. Ça, je pense pas que ça me fait monter mes quêtes.
très bien. Depuis tout à l'heure, il y avait une plateforme qui descendait. Ok. Moi, je vais avoir fini, je pense. Ah non, même pas. Comment il se fait la gueule? Oh! Me voilà le corrupted slime! Trop bien! Encore un autre? Ok, la plateforme elle remonte au bout d'un moment. À chaque fois j'oublie que j'ai plus de stamina. Bon par contre les corrupted slime on a vu, je vais foutre 3 plombes, la viande 3 plombes aussi. Vas-y, mais c'est quoi? Oh, un autre villageois, let's go! Je vais essayer de retourner au village après. D'accord, cul-de-sac. Je sais pas si c'est procédural la map, je pense pas. Hein. Sortez de mon champ, c'est chez moi ici. Ouais, donc c'est un genre vraiment un genre de jeu où tu peux y passer v'là le temps. J'ai pas votre temps, je me tire, je me tire. Ah les chauves-souris sont là. C'est niveau 12 hein, quand même. J'ai pas ton temps. Même si je vais pas avoir le choix de te buter. J'aurais pas dû faire ça. T'es qui toi? Saloperie! J'en étais sûr. Excusez-moi, la plateforme elle arrive quand? Elle arrive là. Suffisait de demander. Toujours la politesse, toujours. Putain, le slime corrupt. Bon, tant pis. Toi qui fais exprès de spawn à cet endroit-là, juste pour te forcer à rester là-bas. Oh, de l'or, monseigneur. C'est plus long du coup. Ça, ça fait penser tellement à un Terraria l'œil là comme ça. Bordel. Mais laissez-moi tranquille. Je vais quand même récupérer le loot avant, sachant pas si ça dépop. Bon, bon, tant pis.
éclate tout le monde. Moi, je pense que c'est vraiment le perso à jouer en priorité. Au moins, t'es tranquille. Tu peux régène plus ou moins facilement. Un sac de cul. Il va tomber dans l'eau comme un teuteux, hein, c'était sûr. Ouais, tu peux gueuler jusqu'à demain matin, hein, c'est pas moi qui suis teubé, arrête de tomber dans l'eau. Enfin, c'est tombé dans l'eau tout à l'heure, mais je suis pas resté bloqué, quoi, comparé à toi. Bon, ça, je pense que je vais arrêter de les récolter. Toujours pas accès au truc, ok. Ça me pète à la gueule, ça, je crois. Hein. Ouais. Attends. Pour pêcher, ok. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de pêcher, là? Truc cru, ouais. Par contre, j'aimerais bien retourner à ma maison. Je pensais que ça allait tomber morceau par morceau, non, il y a tout qui s'est barré d'un coup. J'étais vraiment pas prêt pour ça. Putain, l'œil il est. Ouah, il est galère à buter quand même. Oh, alors la flemme un petit peu comme ça me prend trois plombes. Mais toi l'araignée. Dégage. Du coup je suis où au niveau de la carte? Je suis à C2. J'aurais dû acheter un parchemin pour retourner au village parce que là... à part mourir, je sais pas comment retourner au village. Hein. Oh non. Oh, le début des problèmes. Du coup, ça. Bon, voilà. Comme j'ai dit, à part mourir. Ah ouais, je perds tout ça. Ah ouais, mais c'est chaud. Ah ouais, je perds trop, beaucoup trop de choses. Bon. Bref, la quête... bah non. Faut que j'aille faire fondre tout ça. Et du coup, les villageois, je peux en faire quoi? Oh boy. Ouais, plan, non. Les villageois, j'en fais quoi? Déjà, j'aurais pu l'équiper. Ça, j'en fais quoi? Vendre, non. Je pense pas que ça se vend. Non, à mon avis, ça, faut le garder. Faut en faire quelque chose d'autre. Si je fais libération... Non. Bon, pour ça, j'ai le temps. Parce que là, techniquement...
C'était où que j'avais vu les plans, là? Il y avait des genres de plans pour faire des maisons, je sais pas trop quoi. Des bat-bat. Je peux rien construire. Création. Parce que là, il y a des plans, il y a des BP, là. C'est-à-dire qu'il faut que je récolte tout ce qui se trouve à droite pour lancer le... la possibilité de construire ça. Ah, et puis les villageois, c'est ça. Ok. Ok, ok. Extraction d'or. Ça, en soi, je pourrais presque le faire. Hein. Ah bah non, 30. Clairement pas. J'ai fumé, moi. Ah ouais, mais à farmer le jeu. Oh. Le temps que ça doit prendre. Bon, bah je vais m'arrêter là pour la découverte de Mist of Noia. Il a l'air vraiment sympa comme jeu. Vu son prix, vu tout ce qu'il y a à faire, à mon avis, vous avez de quoi faire. Et pour le prix, ça vaut le coup, vraiment. Je pense. Si vous aimez le délire pixel comme ça. Mais sympa. Après, je pense qu'il faudrait mieux y jouer en coop. Bref. Allez, salut YouTube, à la prochaine.